What's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Bienvenue dans ce nouveau format vlog. Tu vas kiffer. Là, j'ai fait un petit rangement tranquillement. Il y a ma station son, comme tu l'as vu, elle m'a lâché malheureusement. Je vais devoir en racheter une prochainement. Et puis voilà, là, j'ai fait un petit repérage sur quelques accessoires audiovisuels que je vais acheter. Parce que tu connais, hein, mon métier, c'est la vidéo. On a besoin d'accessoires pour améliorer notre contenu. Et du coup, j'ai fait un petit repérage, sachant que il y a certaines vidéos que j'ai envie de te proposer sur les réseaux avec une caméra beaucoup plus petite mais de qualité où n'importe qui peut la toucher, tu vois, dans le sens où je vais faire des feats avec des personnes où on va se filmer mutuellement avec ma caméra et c'est une caméra accessible parce que toutes les caméras que j'ai actuellement sont des caméras où si t'as jamais touché une caméra, c'est compliqué. Alors que là, j'ai une caméra tout public que je vais équiper tranquillement pour faire du contenu cool sur la chaîne et même pour l'avenir de la chaîne, ça va être bien. Donc là, j'ai fait un petit repérage tranquille, j'aurai un petit billet à lâcher, mais c'est comme ça. C'est les investissements. Malheureusement, c'est les investissements qui te font aller loin. Là, je vais aller à la salle. Là, tu vois, là, la journée commence à 6h01 du matin. Je vais aller à la salle, je vais faire une séance bras, juste bras parce que j'ai pas beaucoup dormi. Ensuite, je vais filer au magasin, je vais à la studio sport. C'est où ça? Boulogne-Billancourt. Je vais aller là-bas, studio sport, acheter mes accessoires. Après, on va rentrer, se reposer tranquillement, faire un peu de montage. Et j'ai un tournage ce soir. D'accord? J'ai un tournage, je filme un client pour ses projets pro. Voilà, la journée elle va passer très vite pour moi. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est un jour de repos, mais un jour de repos où on va devoir courir un peu partout. Et je t'emmène avec moi. Bon, là, c'est ce que je vais prendre actuellement. Les Dumise pour les cheveux, j'en prends deux. Mes EAA, j'en prends trois. Je vais les prendre maintenant parce que là, je fonce à la salle. Oméga 3, je vais prendre mes trois maintenant directement parce que Oméga 3, je sais que normalement, faut en prendre un le matin, un l'après-midi, un le soir. Moi, je sais que j'ai tendance à oublier, donc je prends les trois maintenant. Et Thermopure, je prends deux gélules maintenant. Comme ça, je suis bien. Je vais prendre un peu d'OE aussi parce que là, j'ai mangé et tout. Je suis bien, mais avec ça, je serai tranquille comme là, je vais à la salle et je bouge directement après dans le magasin. Ça va être loin, au moins j'aurai ça, je serai bien et je vais le prendre maintenant.
Laisse tomber, j'ai une matinée incroyable, j'ai pas pu avoir ce que je veux tout de suite, mais j'ai commandé ça et je t'en reparlerai ce soir. Mais là, je suis rentré, j'ai fait une sieste 1 heure, j'ai mis le réveil, je me réveille, je m'habille aux tenues directes. On va au tournage, on va tourner 2 vidéos pour un client. C'est parti. Assurez-vous de ne pas oublier vos affaires personnelles. Please ensure you collect all your belongings. Montage terminé pour mon client, vidéo coaching. Alors, on a eu 2 vidéos à faire et là, on est sur une stratégie pour lui de fidéliser sa clientèle, mais aussi de s'expandre dans le coaching. Là, je te montre juste le début. Une story, ça dure 24 heures. Et une vidéo, elle reste. Dans plusieurs mois, dans quelques années. Voilà, après je monte pas parce que la musique ça va me copyright, mais ça c'est important, c'est important. Faut faire des vidéos pour son business, c'est important. Je suis là pour ça, c'est mon taf aussi. On a tout fini aujourd'hui, on a fait tout ce qu'on devait faire. Là tu vois, là c'est un jour de repos, on dirait pas un jour de repos. On est sorti aller acheter du matériel audiovisuel, mais malheureusement, le magasin où je suis allé, comme je te l'ai dit, il n'y avait pas de stock physique. Donc j'ai dû commander, ça vient demain. Donc je suis bien, demain je récupérerai ça en point relais. Ensuite, on avait un tournage, d'accord? Je suis parti à mon tournage tranquillement. Les transports, c'était long, des galères, des problèmes. Mais on a fait ça bien, j'ai fini mon tournage. Et juste après, ben, montage, hein, montage. Dans les grandes lignes. Là, on a tout fini. J'ai envoyé à mon client. Mon client, il l'a validé. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire un tournage. Le montage, si je peux le faire vite, je le fais vite. Comme ça, s'il y a des changements, il y a des changements, on les fait. S'il valide, il valide. Et là, c'est bon. On est tranquille. Et j'ai oublié, on est allé à la salle aussi. On est allé à la salle. J'ai fait ma petite séance cool. En tout cas, là, je suis vraiment KO. Je suis épuisé. J'espère que tu as pu kiffer ce vlog. Hein, si c'est le cas. Mets un j'aime, mets un commentaire. On montre la réalité ici. Tu vois, c'est important. Et puis, je vais me forcer à faire plusieurs vlogs. Tu vois, c'est les vacances. On va faire ça bien. On va faire des vlogs. Ok? Donc, moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Normalement, demain, je poursuivre. Demain, là, ça sera plus joyeux. On va récupérer des colis et tout. Ça sera bien.